Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Please. Namaskaram, où que vous soyez. Eh bien, comme vous le savez sûrement déjà tous, le nombre de personnes infectées en Inde est en grande partie sous contrôle jusqu'ici. Pour le nombre que nous sommes, 735, ce n'est pas un mauvais chiffre. Mais il est un peu faussé. Parce que si un cas est confirmé, ça veut dire qu'ils se sont fait tester il y a environ une semaine. Ça prend 6 à 7 jours pour confirmer un cas. Donc, ça pourrait être un peu plus que ça. Mais comparé à bien d'autres pays, c'est tout à fait sous contrôle. Je pense que nous sommes entrés en confinement au bon moment, avant d'être en transmission communautaire. Où que se trouvent ces cas confirmés, nous sommes encore capables de retracer d'où ils viennent. La plupart d'entre eux ont voyagé à l'étranger et sont revenus. Mais dans beaucoup d'autres nations, malheureusement, ça dégénère. Même le Premier ministre du Royaume-Uni est un cas confirmé de corona maintenant. Le prince Charles est un cas confirmé. Donc ça se propage à travers toute l'île. À New York, il y a plus de 10 000 personnes. Donc, aux États-Unis, il y a des confinements partiels, je crois. Ils ont un avantage en termes d'espace que n'a peut-être pas la Grande-Bretagne.
En Espagne, il y a plus de 2300 morts. L'Italie est toujours dans la même situation. Donc, c'est compliqué. Mais nous savons aussi que tout un tas de gens s'en remettent. Mais le problème, ça va être que dans une société ou dans une nation donnée, si trop de gens sont infectés, aucune nation ne sera capable de fournir l'assistance médicale dont ils auraient besoin. C'est là que les gens vont commencer à mourir en grand nombre. Donc, c'est ce qu'on essaie d'éviter avec ce confinement. Et il y a des stratégies en Inde où, même s'ils l'assouplissent à l'intérieur de l'État, entre États, le confinement va durer plus longtemps, probablement, parce qu'ils veulent casser la chaîne des infections. Si un certain nombre de gens sont infectés dans une ville, après ça, il est très difficile d'éviter que ça ne touche d'autres personnes. Il y a des cas tragiques où, hier, une infirmière d'Atlanta, une femme de 42 ans, je crois, elle avait travaillé à l'hôpital, elle rentre chez elle et meurt. Un enfant de 4 ans était à ses côtés, personne d'autre dans la maison, et elle est juste morte du corona. Donc ce genre d'histoires tragiques ont lieu. Donc je veux que tout le monde, chacun d'entre vous, quelle que soit la façon dont vous pouvez faire passer le mot, veillez à ce que tout le monde maintienne une distance physique. Vous ne devriez pas être la cause du problème. Vous devez au moins veiller à cela. Eh bien, ceux d'entre vous qui sont toujours un peu paresseux, si vous vous êtes toujours plaint d'aller au travail, ceux d'entre vous qui sont du genre « Dieu merci, c'est vendredi », c'est le moment pour vous. Profitez au moins de ces 3 semaines ou 4 semaines ou quel que soit le temps que ça dure. Les mesures économiques sont déployées à la fois aux États-Unis et en Inde à grande échelle. Tout est fait en accéléré. C'est presque comme si pendant 3 mois, on n'avait pas vécu. C'est comme ça que ça va être, et qu'ensuite on était revenu. C'est comme l'expérience de Gulliver, mais pour seulement 3 mois. Donc, le plus important, c'est que les gens ne commencent pas à avoir peur et à faire des choses stupides. Que les gens ne commencent pas à avoir peur et à courir dans les rues. Il est très important que vous mainteniez tous votre équilibre physique et mental. C'est un très bon moment pour nous occuper de nous-mêmes. Quand je regarde en arrière, ces 3 dernières décennies, ou presque 4 décennies, jamais, ou de toute ma vie, je n'ai jamais eu 3 semaines durant lesquelles je peux faire quelque chose avec moi-même. Ça n'est jamais arrivé. Donc, me voici. Donc, je veux que vous aussi fassiez usage de ceci du mieux possible. 3 semaines, c'est beaucoup de temps. Si l'on fait suffisamment d'efforts pendant 3 semaines, on peut en ressortir physiquement plus fort et plus en forme, mentalement plus stable et avec plus de potentiel. Énergétiquement et spirituellement, on peut faire beaucoup de choses en 3 semaines de travail à plein temps. Beaucoup d'entre vous ont participé à des programmes et vous avez vu que dans un programme de 2 jours ou 4 jours, la vie s'est énormément transformée. 3 jours de Bhava Spandana, la vie est toute retournée. Donc c'est le moment de vous occuper de vous-même pour vraiment devenir une vie qui va prendre son envol. Oui. Ne nous plaignons pas de tout ce qui croise notre route. Le virus fait son travail. Nous devons faire le nôtre. C'est important. On ne fait pas le travail du virus, on fait le nôtre.
Si vous faites passer le virus de vous-même à quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre à vous et de vous à quelqu'un, vous faites le travail du virus. Vous êtes du côté du virus. Si vous ne coopérez pas avec le virus, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez faire. C'est le moment. Ce sont des vacances qui nous sont données. Oui, ça va nous faire régresser économiquement à différents niveaux. Les individus, les familles, les communautés, les nations, toute l'économie mondiale va probablement régresser un peu. C'est OK. Ça va en effet faire mal. Ça va tous nous faire mal. Ça va nous faire mal à nous en tant qu'institution. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que nous allons vivre comme on vivait il y a 5 ou 10 ans. Cette époque n'avait rien de mal. C'était bien. On sera simplement comme ça. Donc, la chose la plus importante est que nous sommes en vie et que nous avons des vacances. Faisons-en bon usage. Mais les gens se plaignent, les gens... Après seulement 3 jours, la maison devient oppressante pour beaucoup de gens. Tout ce temps, ils se plaignent. « Où est mon mari? Je ne le vois qu'une fois par semaine. Où est ma femme? Elle va au travail, je ne peux pas la voir. Tu me manques, je te manque, maintenant. » C'est le bureau qui nous manque. Eh bien, les relations humaines sont comme ceci. Quand vous êtes ensemble, c'est un problème. Quand vous êtes séparés, c'est un problème. Quand ils sont absents, il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'ils vous manquent. Quand vous êtes ensemble, il y a des tas de problèmes. Ceci est arrivé. À une époque, Shankaran Pillai était un golfeur du dimanche. C'est-à-dire que tous les week-ends, il joue au golf. Donc, un samedi matin, il est en train de mettre ses chaussures, la femme arrive, et elle est en mode émotionnel. Elle lui dit, « Tous les week-ends, tu pars faire du golf, tu ne m'aimes pas, tu aimes le golf plus que moi. » Shankaran Pillai serre ses lacets, et puis... Il lui dit, « Vois-tu, Lakshmi, c'est vrai que j'aime le golf plus que toi, mais je te le dis, je t'aime plus que le cricket, le tennis et le football réunis. » Donc, il est temps. Il est temps que l'on s'attaque à qui nous sommes, de quoi nous sommes faits. Quelles sont nos limitations? Il est temps de s'attaquer à cela. Donc, c'est le bon moment pour ça. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Oh, vous savez, des idées fantaisistes que vous avez trouvées dans les romans d'amour et des films et autres. Il est temps d'aborder qui nous sommes. Nous avons des problèmes. Si nous avons des problèmes, nous devons leur faire face. On pense que le problème, c'est quelqu'un d'autre. Non, non. En tant que personne, nous avons des problèmes. Il est temps de leur faire face. C'est très, très important. Si vous en étiez capable tous les jours, sur le vif, tout en travaillant, ce serait fantastique. Mais si vous n'avez pas pu faire cela, c'est le moment de vous asseoir avec vous-même. Tous les ennuis que vous avez sont à l'évidence les vôtres. Le patron n'est pas dans le coin. Vous ne pouvez pas lui faire porter le chapeau. Il n'y a plus d'embouteillage. Vous n'y êtes même pas. Vous ne pouvez pas accuser les embouteillages de vous rendre fou. Vous n'avez pas à vous rendre au bureau à l'heure, donc vous ne pouvez pas le reprocher à cela. Vous êtes assis chez vous et devenez fou. De toute évidence, c'est vous. Il est temps de s'attaquer à cela. Les relations humaines deviennent ce qu'elles deviennent, principalement parce que la plupart des gens pensent « l'autre personne devrait être la source de ma joie ». Non, c'est à vous de faire en sorte d'être la source de joie pour l'autre personne. Tout le monde veut toujours rencontrer cette personne merveilleuse
qui n'existe pas. Voyez, j'ai suffisamment d'expérience dans la vie, je vous le dis, une telle personne n'existe pas. Parce que même, vous savez, aujourd'hui, tout le monde, du moins en Inde, dans la tête des gens, l'être humain le plus beau et le plus merveilleux est Krishna. Il danse, il chante, il aime, il est fantastique, ok? Mais ces femmes se plaignent sans cesse à leur époque. Donc, même ces femmes se plaignent, parce que vous pensez toujours que quelqu'un d'autre doit être merveilleux. Il est temps, ces 3 semaines sont une bonne quantité de temps pour devenir cette personne merveilleuse que vous espérez rencontrer. Vous devenez cette personne merveilleuse que vous voulez que tous les autres soient. C'est votre chance. Si vous devenez cette personne merveilleuse, eh bien, les autres aussi peuvent en profiter. Mais par-dessus tout, vous en profitez. C'est la chose la plus importante. Si vous êtes assis ici, si vous êtes un merveilleux être humain, vous en profitez. Oui, les autres aussi peuvent en profiter, c'est merveilleux. Mais s'ils ne sont pas là, vous profitez d'être un merveilleux être humain. Vous êtes en compagnie d'un être humain merveilleux en permanence. Ceci, tout le monde doit le faire. Et maintenant, ce virus vous a donné l'occasion d'être 3 jours à la maison. C'est le bon moment pour le faire. Certains d'entre vous sont à l'ashram, les autres à la maison. C'est le bon moment pour le faire. Vraiment le bon moment. Faisons-en bon usage. Des questions? Sadhguru, la première question est de S. Upadhyaya. Namaskaram Sadhguru. En parlant de Dhyana Linga, vous aviez dit qu'il est possible d'y accéder de n'importe où. Ces derniers mois, j'ai un désir très fort de faire l'expérience de votre présence live 24/24, où que ce soit dans le monde. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner une méthode pour y arriver? Qu'entendez-vous par live? Vous voulez que je sois sur Internet en permanence? Parce qu'aujourd'hui, live ne veut pas dire que je suis en vie. Live veut dire que je suis en ligne. Donc, comprenons ceci. Ce que vous pensez être en ce moment, c'est ceci et moi. Eh bien, on vous a suffisamment parlé de ça, fait suffisamment de processus avec vous pour vous montrer que ce que vous pensez être votre corps est une accumulation. Donc, il est à vous. Il ne peut pas être vous. L'autre chose, c'est tout le bazar qui a lieu dans votre tête. Vous pensez, c'est moi, le contenu du mental. Eh bien, cela aussi est une accumulation qui est aussi à vous, parce que personne d'autre ne la veut. Donc, c'est à vous, mais ce n'est pas vous. Donc, ce que vous ne connaissez pas, vous savez que vous existez, mais vous ne savez pas quelle est la nature de votre existence. Donc, toute l'idée du processus spirituel et les outils qui sont mis en place pour faire apparaître cela ou amener cette expérience dans la vie des gens, tous les outils, que ce soit Dhyana Linga ou Yogeshvara ou moi-même, ceci est un outil, ce n'est pas une personne. Ce sont des outils dans le sens où quelque chose au-delà du physique a lieu autour d'eux, en permanence. Le physique, la base du physique, est une frontière définie. Sans frontière définie, il n'y a pas de nature physique. Donc, une fois que quelque chose au-delà du physique a lieu, les frontières n'existent pas. Il n'y a pas de « ici et là », le physique ne peut être qu'ici ou là. Ce qui n'est pas physique n'est ni ici ni là, ou c'est à la fois ici et là. Eh bien, cela peut vous sembler un peu hors de portée, mais
En général, pour la plupart des êtres humains, je dirais plus de 90% des êtres humains, ils ne peuvent prêter attention à quelque chose de façon absolue que s'ils sont émotionnellement impliqués avec elle. Très peu d'êtres humains ont un mental qui peut leur donner une implication absolue sans aucune implication émotionnelle. Cela nécessite beaucoup de travail, d'avoir un mental avec lequel vous pouvez rester concentré sur quelque chose de façon absolue, sans être émotionnellement impliqué avec elle. Mais je dirais que 90% des gens ont besoin d'un soutien émotionnel pour prêter attention à quelque chose de façon absolue. C'est la raison pour laquelle vous ne prêtez attention qu'aux gens que vous pensez être dans la sphère de votre amour. Ceux qui n'y sont pas, vous les ignorez. Vous ne pouvez pas leur prêter attention. Donc, de ce fait, le processus spirituel incorpore toujours un aspect très simple pour apporter de la concentration. On parle de dévotion, d'émotion, tout ça. Est-ce vraiment nécessaire? Non. Si vous pouviez simplement être de façon absolue, vous n'avez besoin d'aucune émotion, vous n'avez besoin d'aucune dévotion. Juste en étant assis ici, sec comme un bâton, vous pouvez tout de même raisonner avec les énergies de cet univers. Mais ce sont très peu de gens. Les autres ont besoin d'une certaine... Quelque chose doit accrocher leur cœur, autrement ils ne vont pas regarder dans cette direction. Ils vont regarder quelques secondes et puis ils seront ici, là, partout. Ce n'est que lorsqu'ils sont impliqués émotionnellement qu'ils sont capables de maintenir une attention stable envers cela. Tout ce qui compte émotionnellement pour vous devient le point focal de votre mental. Donc c'est un outil merveilleux en ce sens. Donc de ce fait, on a incorporé les émotions au système. Une fois les émotions incorporées, vous savez les émotions. C'est comme ça. Comme elles sont comme ça, les canaliser est un immense défi. Et inutilement, ça semble compliqué, parce que chaque personne commence à les interpréter à sa manière, parce que les émotions de chaque personne sont uniques. Donc ne vous laissez pas enfermer dans tout ça. Ne vous préoccupez pas de ce que quelqu'un d'autre fait, de la façon dont ça a lieu pour quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle à Isha, nous avons toujours demandé aux gens de ne pas partager leurs expériences spirituelles, parce que ça va embrouiller les autres. Si vous dites, j'étais allongé, vous savez, j'étais allongé, quelque part ailleurs, dans le monde, où que vous soyez, monsieur Acharya, est-ce ou pas d'ailleurs? Oh, Sadhguru est apparu. Tout un tas d'ennuis pour moi. Parce que maintenant, toutes sortes de gens vont commencer à dire « Sadhguru est arrivé et a fait ceci, Sadhguru est arrivé et a fait cela ». En général, ça commence par de bonnes choses. Et puis, au bout d'un certain temps, toutes les bêtises qu'ils font, « Sadhguru ». En ce moment, ça arrive à Dieu. Heureusement, il n'est pas là. Donc ça va, vous pouvez l'accuser de tout, mais vous n'avez pas accès à lui. Donc, ce que je dis, c'est qu'au moins, vous ne pouvez pas le punir. Donc ça va, pour tout. Toutes les bêtises qui ont lieu, je pense que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que je fais toutes ces idioties. Maintenant, si ces choses se concentrent sur une personne vivante comme moi, bien trop d'ennuis. Alors, pouvons-nous rendre la présence accessible où que vous soyez? Bien sûr, autrement à quoi bon? Autrement, on ne ferait que parler de spiritualité. Parler de spiritualité peut être une inspiration, au mieux, un divertissement, au pire. C'est tout ce que ça peut être. En parler. L'inspiration est nécessaire au départ,
Mais si vous avez besoin d'inspiration toute votre vie, vous êtes un cas désespéré. L'inspiration est comme l'allumage, elle fait démarrer le moteur. Une fois que le moteur a démarré, si vous continuez à actionner l'allumage, ça fait des bruits moches. C'est la même chose avec les gens. Une fois qu'ils sont suffisamment inspirés, il n'y a pas besoin de continuer à les inspirer, ils vont devenir fanatiques. Si vous n'arrêtez pas d'inspirer les gens, ils vont devenir des fous qui vont faire les choses les plus illogiques et les plus terribles dans le monde. Trop d'inspiration. L'inspiration est comme l'allumage. Pour faire démarrer quelqu'un, une petite poussée, après ça, c'est terminé. Après ça, ils doivent avoir des processus et des méthodes avec lesquelles ils peuvent avoir accès. Plus que tout, d'une façon ou d'une autre, quelle qu'elle soit, de l'implication. Donc on parle d'une forme consacrée comme Dhyanalinga, ou moi-même, ou vous-même. Quand on vous a initié, j'ai parlé de cela, mais la plupart du temps on évite d'en parler, on appelle encore Shambhavi une initiation. Ce n'est pas vraiment une initiation, parce que rien n'est donné, c'est une sorte de consécration. Tout ce que vous avez à faire, c'est votre pratique quotidienne. Ce n'est pas comme Shakti Shalana Kriya ou la méditation Shunya, où il y a un processus spécifique. Là, tout ce que vous faites, c'est comme balayer le temple. Tous les jours, les gens balayent le temple de Dhyanalinga. Ils ne rechargent pas Dhyanalinga ou autre. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de processus. Juste balayer le temple, le garder propre. C'est tout ce que vous faites avec Shambhavi. Vous ne faites rien pour vous booster. Vous ne faites que le garder propre parce que c'est consacré. Si vous ne le gardez pas propre, imaginez, si vous ne lavez pas vos vitres, soudain, même le soleil semble ne pas être assez brillant. Même le soleil n'est pas assez brillant, parce que vos vitres ne sont pas propres, ou vous avez la cataracte. Soudain, même le soleil n'est pas assez brillant. Cela peut facilement se produire. Donc tout ce que vous devez faire, c'est le garder propre. Sadhguru, je fais ma pratique une fois par mois, pardon, une fois par jour. Je suis juste méchant. Juste comme ça, vous savez, c'est les vacances. Si vous faites votre pratique tous les jours, dans une certaine mesure, c'est propre. Mais peut-être que le reste de la journée, vous l'oubliez complètement. Donc une chose simple que vous pouvez faire, c'est d'utiliser quelque chose, quoi que ce soit. Peut-être une image, peut-être un mantra, peut-être juste un son, peut-être juste un rappel sur votre téléphone, n'importe quoi, pour que mentalement, émotionnellement, vous vous connectiez à cet aspect aussi souvent que possible dans la journée. Pour que si vous fermez les yeux, c'est tout ce qui apparaît. En ce moment, il y a encore toutes ces stars de cinéma et autres qui apparaissent. Donc, vous ne la sentez pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas là. Vous n'êtes pas... Voyez, lorsque vous faites la pratique, vous la sentez. Pendant la journée, vous ne la sentez pas parce que vous laissez d'autres choses danser. Des scènes de danse apparaissent. Donc, faites ce que vous voulez. Utilisez ce que vous voulez, peut-être un rappel sur votre téléphone, peut-être une image que vous allez regarder, ou un fond d'écran, vous savez, un fond d'écran ou un chant, vous pouvez chanter, ou écouter un chant, faites quelque chose. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est que mentalement et émotionnellement, vous soyez concentré dans une direction. Si vous faites ça, la présence va être forte. Même maintenant, elle est présente, mais c'est comme avec une cataracte, comment pouvez-vous voir? Vous essayez juste de faire disparaître la cataracte, c'est tout. Il est très possible de faire l'expérience de toute dimension de la vie qui n'est pas limitée par la nature physique. Vous n'avez pas de problème à la sentir et à en faire l'expérience et à la connaître. La distance n'est pas un problème, il n'y a pas de distance pour une dimension non physique. La distance est une manifestation du physique.
S'il y a un centimètre, il y a un kilomètre, s'il y a un kilomètre, il y a 10 000 kilomètres. C'est comme ça. Du centimètre à l'année-lumière, il n'y a de distance qu'à cause des objets physiques. S'il n'y a pas de physique, la distance ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas une dimension physique. Donc, la sentir, la connaître, en faire l'expérience, ne sera pas difficile s'il y a une certaine concentration vers cela. Créez votre propre outil pour vous faire des rappels toutes les 5 minutes ou une fois par heure ou ce que vous voulez, ça va marcher. Sadhguru, la question suivante est de Sonia. Namaskaram, Sadhguruji. Je suis de Berlin. Avec plus de silence à l'extérieur, les bruits intérieurs deviennent très bruyants. Pourriez-vous m'éclairer sur les vibrations intérieures et le son intérieur? Oh, de Berlin. Habituellement, les gens ne m'appellent pas Guruji. Parce que Guruji est honorifique. Je suis très embarrassé par de telles choses. Sadhguru est une description. C'est comme dire orthopédiste, ou ophtalmologiste, ou gynécologue, ou neurologue, c'est exactement pareil. Sadhguru est juste une description. La description ne me dérange pas parce que ça veut dire gourou sans éducation. Personne ne vient débattre des écritures avec moi, parce qu'ils savent que de toute façon je ne les connais pas. C'est juste pour être sûr qu'on ne passe pas de temps à essayer de débattre et de discuter de choses dont on n'a pas la moindre idée et dont on ne s'est jamais préoccupé. Mais Guruji est un titre honorifique. Ne me faites pas ça. J'ai vécu d'une certaine manière, dans le sens où j'ai vécu de telle façon que les gens autour de moi sont toujours dans le doute. Qui est-il en fin de compte? C'est très important pour moi, parce que s'ils font une quelconque conclusion, alors il est très difficile de travailler avec eux. Être incertain veut dire qu'au moins vous réalisez que vous ne savez pas, ce qui est bien. Si quelqu'un parvient à le savoir à travers une expérience très profonde, ça me va. C'est un autre état. Mais il n'est pas nécessaire de tirer de belles conclusions sur quelqu'un. Il n'est pas nécessaire de tirer de mauvaises conclusions sur quelqu'un. Donc, tous les titres honorifiques viennent de là, du fait que les gens tirent des conclusions positives sur quelqu'un. La valeur de ce que je suis n'est présente que lorsque vous me regardez simplement, sans aucune conclusion. Vous verrez, vous serez extrêmement désorienté. Vous n'avez pas suffisamment prêté attention à moi, parce que la plupart du temps, vous me voyez assis ici, dans un satsang, ou dans ce genre de contexte. Donc, vous ne m'avez pas vu dans divers contextes. Si vous me voyez dans diverses situations, vous serez extrêmement désorienté, ce qui est très bien. Ça veut dire que vous êtes incapable de tirer une conclusion, parce qu'une conclusion est la mort. Une conclusion veut dire qu'il n'y a pas de possibilité. Si vous tirez une conclusion sur moi, sans le savoir, en tant que chercheur, vous allez tirer une conclusion sur vous-même. Ça veut dire que la recherche est terminée. Une fois que vous tirez une conclusion, où est la recherche? Vous pouvez vous dire chercheur, ça n'a absolument aucun sens. En ce qui concerne les vibrations à Berlin, eh bien, les vibrations extérieures se sont arrêtées, c'est ça qu'elle dit? Oh. Les voitures ne rugissent pas dans les rues. Eh bien, moi aussi, j'aime conduire et rouler, mais ça va. Peut-être que chaque année, on devrait réfléchir à ça vraiment en tant que monde, en tant que génération. Chaque année, 3 semaines, pas de voiture sur les routes, tout le monde reste chez soi. Allô? Où est le problème? Il ne va rien se passer.
tout le monde en même temps, éteint toutes les fichues choses dans le monde, à l'instar des écoliers qui font une pause pour les vacances. Tous les êtres humains font une pause. Oh, toutes les autres créatures de la planète vont célébrer. Donc, si toutes les machines à Berlin se sont arrêtées, les voitures allemandes ne rugissent pas, alors maintenant, est-ce que je comprends bien la question? Elle demande comment gérer son intériorité ou c'est à propos des vibrations intérieures? C'est quoi? Pourriez-vous nous éclairer sur les vibrations intérieures et le son intérieur? Étant donné que l'extérieur est devenu calme et que l'intérieur est devenu plus bruyant. L'intérieur n'est pas devenu bruyant, il n'a jamais été bruyant. Il n'y a pas de bruit dans cette région. C'est juste que, comme vous n'êtes pas occupé, vous devenez préoccupé. La plupart des gens pensent habituellement qu'ils sont occupés, mais si vous regardez leur vie, 60% du temps, ils sont juste préoccupés par quelque chose. C'est comme ruminer l'herbe, vous savez. Ce qui s'est passé hier, vous le ruminez encore. Cette capacité n'est pas présente dans votre corps. Les vaches, les chèvres, les moutons, ils sont tous capables de manger aujourd'hui, et quelques heures plus tard, ils sont capables de le faire revenir et de mâcher l'herbe. Cette capacité ne vous a pas été donnée dans votre corps. Donc, vous l'avez créée dans votre mental. C'est un problème évolutif. Vous ne voulez pas arrêter d'être à quatre pattes. Vous voulez ruminer l'herbe du jour précédent. Dans le mysticisme d'Inde du Sud et en yoga, on observe les gens et s'ils ne font que profiter ou souffrir de ce qui a eu lieu dans le passé, du fait de leur activité passée, maintenant ils profitent de quelque chose, mais maintenant ils font tout à fait autre chose, sans comprendre qu'ils ne font que profiter de bienfaits passés et que ça pourrait s'arrêter à tout instant. On dit « Ayo Pasaya Sadam ». Pasaya Sadam veut dire « vieux riz », c'est-à-dire que c'est de la vieille nourriture. On profite de la nourriture d'hier, ce qu'on a mangé hier en ce moment en termes d'énergie et de force, ça fonctionne encore dans notre corps. De même, ce qu'on a fait hier ou il y a 10 ans ou il y a une vie, peut-être qu'on en bénéficie encore, mais si vous ne faites pas quelque chose en ce moment pour faire avancer cela, ça va s'épuiser. La vieille nourriture va pourrir au bout d'un certain temps. Ce qui était merveilleux va devenir horrible au bout d'un certain temps. Tout un tas de gens qui, soi-disant, réussissent dans le monde passent par là, à différents stades de leur vie. Ils vont profiter des résultats et des karmas du passé. Et ils pensent que tout va super bien, et maintenant ils vivent sans scrupules. Un jour, soudain, ça les frappe, pas nécessairement de l'extérieur. La plupart du temps, ça vient de l'intérieur. Leur propre structure psychologique, leur propre corps font une telle chute qu'ils n'arrivent pas à croire que ça leur arrive. C'est parce que vous vivez de vieille nourriture. Il est important que vous cuisiniez de la nourriture fraîche tous les jours. C'est très important. C'est la raison pour laquelle le karma actuel est très important. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas de bruit dans votre intériorité. Il n'y a pas de vibration dans votre intériorité. Il n'y a pas de son dans votre intériorité. C'est uniquement dans votre tête. C'est parce que vous ruminez de la vieille herbe. Maintenant, si vous êtes occupé par des activités, vous allez oublier certaines des choses qui ont lieu dans votre tête aujourd'hui. Mais une fois vos mains inoccupées, alors vous verrez, ça va continuer. Donc que dois-je faire? Eh bien, on vous a appris bien des méthodes, n'essayez pas de l'arrêter parce que vous ne pouvez pas l'arrêter. La seule méthode, c'est de vous distancer de cela. Il y a bien des méthodes pour vous distancer. Si vous faites Shambhavi ou Shunya, à coup sûr, ce sont des processus puissants. Autrement, vous pouvez faire Ishakriya. Si vous ne connaissez aucune de ces choses pour le moment, la chose simple à faire est simplement celle-ci. Regardez-vous simplement
et voyez, vous êtes une créature minuscule dans cette vaste existence. On ne sait pas où elle commence, où elle se termine, sur cette petite boule de terre qu'est la planète. Vous êtes assis ici et vous pensez que vous êtes le centre de l'univers. C'est une idée stupide. Tout part de là, du fait que vous pensez être le centre de l'univers. C'est une idée vraiment stupide. À partir de cette idée stupide, beaucoup d'idées stupides sont arrivées, qui sont considérées intelligentes socialement. Donc, regardez simplement vos pensées, dans le contexte du vaste cosmos. Maintenant, le virus menace votre vie. Dans le contexte de votre nature mortelle, les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous croyez être importantes, elles sont toutes stupides. Si vous voyez que votre mental, que vos pensées, vos émotions sont parfaitement stupides, naturellement, vous allez créer une distance. Le problème, c'est que vous pensez qu'elles sont intelligentes. Et maintenant, quand elles vous dérangent, vous voulez les éloigner un peu. Non, tout ce que vous croyez intelligent va vous coller comme une médaille. Ça ne va pas partir. Ça ne va pas vous quitter. Dès l'instant où vous pensez que vous êtes intelligent, vos pensées ne peuvent pas vous quitter. Vous ne pouvez pas fermer les yeux et vous asseoir si vous êtes quelqu'un de très intelligent, sachez-le. Lorsque vous savez que vous êtes un fichu idiot, vous pouvez fermer les yeux et vous asseoir. En termes de vie, en termes d'existence, vous n'êtes vraiment rien, ok? Socialement, vous pouvez être quelque chose. Entre idiots, les idiots vont briller. Ça ne veut rien dire en tant que vie. En tant que vie, demain, ce fichu petit virus peut vous emporter. Oui, vous et moi, je vous le dis. Il peut simplement nous emporter. Donc, quelles que soient les choses incroyablement intelligentes qu'on pense, ne veulent rien dire du tout. Si vous comprenez ceci, naturellement, il va y avoir une distance entre vous et votre processus de pensée. Une fois qu'il y a une distance entre vous et votre processus de pensée, ce que vous pensez n'a pas d'importance. Aucune. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha